Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la fameuse vidéo du dimanche, où on va faire le budget. On va d'abord faire, pardon, un point sur ce qu'il nous reste de la semaine qui vient de s'écouler. Et on va remplir les enveloppes pour la semaine prochaine. Voilà, on est samedi, en fin de journée. Et voilà, il est temps pour nous de faire les enveloppes. Avant toute chose, je vais laisser les promotions, je pense, encore cette semaine. Et après, je vais enlever les promotions. Encore une fois, c'est pour vous permettre, on va dire, vous aider à vous équiper avant mon départ en Côte d'Ivoire. Parce que je pars 2 semaines. Donc, pendant 2 semaines, je ne pourrai rien faire du tout. Et après, le temps que je fasse les commandes petit à petit, voilà, ça prendra un certain temps. Donc je vous invite à passer vos commandes si vous le souhaitez dès à présent. Donc les promotions, encore une semaine, après ça sera terminé. Le nom de mon site est en barre d'infos, hein. Je vous le remets ici, mais sinon tout est en barre d'infos. Ensuite, nous allons commencer, tout simplement. Donc vous voyez, alimentation, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, tout simplement parce que je vous l'avais dit, mais on a refait le plein de viande. On n'en avait presque plus, donc là on a refait le plein. Le congélateur est archi plein. Et on est passé en fait par un site en ligne qui, donc direct producteur, et c'est de la viande bio en plus, donc c'est super cool. Et ils sont passés aux infos, à Capital, je crois, dimanche dernier, ou je sais plus quand, bref. Ça s'appelle Nature et Viande, ou quelque chose comme ça. Et en tout cas, on a commandé chez eux, et franchement, on est trop contents, c'est top, top, top. Donc là, on a, on n'a plus rien du tout. Et je suis allée chez Picard, voilà. Puisque, je sais pas si vous me suivez sur Instagram ou pas, si vous ne me suivez pas, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Mais... la semaine du 30, je crois que ça commence le 30, ouais, le 30 janvier jusqu'au 5 mars, ça sera une semaine blanche, donc une semaine zéro course, zéro dépense, pour nous permettre de faire des économies. Donc voilà, j'ai commencé à acheter aussi chez Picard des légumes surgelés pour avoir des légumes quand même cette semaine-là. Voilà. Donc là, on n'a plus rien. Loisirs, eh bien là, on n'y a pas touché, on a... rien fait de spécial, on a 40 euros. Divers, eh bien divers, on a les 20 euros les amis, ça c'est rare. Mais c'est parce que j'ai oublié d'acheter ce que je devais acheter. Donc c'est pas grave, je les achèterai la semaine prochaine. Et là, eh bien du coup ça nous fait 20 euros en épargne. Restaurant, il reste 60 sur les 80 il me semble. On avait pris juste un petit truc, ouais c'est ça. Donc je vais vous montrer. Il reste 60 sur les 80. Hop. Entretien, il n'y a plus rien. Et là, on en a. Par contre, ça, c'est cool. On en a 2. Et ça, on adore. Donc, on va mettre ça dans l'enveloppe extra. Qui, vous le savez, maintenant est dans mon classeur du mois. Puisque je vais cumuler sur l'année, finalement. Pour voir combien j'ai réussi à mettre en plus... de mes épargnes classiques, on va dire. Donc voilà, ce que j'ai réussi à sauver de mes enveloppes et les billets de 5. Je vous savais, la dernière fois, je réfléchissais si je les laissais là ou pas. Mais non, dans tous les cas, je vais les remettre dans le défi 5 euros à la fin du mois, comme je fais tout le temps. Parce que dans tous les cas, les billets de 5 euros, c'est forcément des sous que j'ai sauvés en plus de mes enveloppes. Donc voilà, ça ne changera rien. Mais là, en tout cas, 30 euros et les 20 euros, je les laisserai là du coup. Voilà, on fera ça ensemble à la fin du mois. Ou plutôt, début du mois de mars, je suis essoufflée. De février, de mars, n'importe quoi. Je vous ai dit mars tout à l'heure aussi, non? Enfin, on est d'accord, c'est du 30 janvier au 5 février et pas mars. Hein. Sinon, ça fait long comme semaine zéro dépense. donc voilà, on fera ça ensemble début février. J'allais encore dire mars, hein, décidément. Mais en même temps c'est la date où je reviens de Côte d'Ivoire le 2 mars, donc du coup ça me, vous savez, c'est gravé dans mon esprit. J'ai tellement hâte de partir, même si ça va faire bizarre du coup parce que je pars sans mon mari et sans mes fils, mais ça va faire trop bizarre
pendant 2 semaines, mais voilà, d'aller à la chaleur, ça va me faire du bien. Donc, pour la semaine prochaine, alimentation, on a les 100 euros, toujours. Voilà. Vous êtes très, très, très nombreuses à me demander des retours de courses. Donc, je vous filmerai le retour de course. Voilà. En loisirs, on met 20 euros, ce qui nous fait 60. Hop. Et d'hiver, eh bien, on met les 20 euros de cette semaine aussi. Et hop, je vais refermer ça. Voilà. Et d'hiver. Hop. Et donc là, il nous reste le budget. Oh, décidément. Le budget pour la dernière semaine du mois. Voilà, je réfléchis, mais oui. C'est bien ça, puisque nous sommes déjà le 21. Donc, d'hiver, 20 euros. Voilà. Et donc, ce qui est là, on le fera ensemble le week-end prochain. Mais normalement, ça devrait aller en épargne. Hein, si on arrive à tenir la semaine zéro dépense comme prévu. Voilà, c'est justement pour faire gonfler, on va dire, l'enveloppe extra, voilà, pour augmenter son épargne de l'année, pardon, je vais y arriver après. À vous de définir pour quel objectif ce sera, si c'est dans votre fonds d'urgence, si c'est pour Noël, voilà, ça après à vous de voir, mais en tous les cas, ça fait toujours une épargne supplémentaire. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à me rejoindre sur Instagram. Je vous partage beaucoup de choses sur Instagram. Vous me demandez aussi beaucoup si je vais vous partager mon voyage. Évidemment que oui. beaucoup, beaucoup sur Instagram parce que c'est facile, c'est instantané. Et je pense aussi, je vais essayer en tout cas vous filmer des vidéos pour YouTube. Mais voilà, après c'est différent. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à me rejoindre sur Instagram. Et puis voilà les amis, sur ce, comme d'habitude, on commente, on like, on partage, on s'abonne, on active la cloche, tout ça, tout ça. Et je vous souhaite un très très bon dimanche et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.